Bonjour à tous. Voilà, thème mystère, mais vous allez vite comprendre. Donc, j'ai mis un petit pêle-mêle de mots français, pour la plupart. Bon, voilà, pas de surprise, bon, vous avez compris le thème. Ce matin, on va parler d'argent. Et comme le français est doté d'un vocabulaire qui est assez riche, hein, voire fleuri, la parole de Dieu, la Bible, elle parle de ce sujet, mine de rien, aussi souvent. Alors, j'ai lu un article qui dit qu'il y a à peu près 2350 références dans la Bible qui sont faites à l'argent, les richesses. Et environ deux tiers des paraboles traitent ou utilisent de près ou de loin ce sujet. En France, parler d'argent, c'est particulièrement tabou, hein. Voilà, je pense que vous avez peu de gens qui vous disent leur salaire ou un collègue qui va vous dire « je gagne tant ». Mais contrairement à nous autres, les auteurs bibliques et donc Dieu lui-même n'a pas l'air de penser que ce sujet soit tabou, donc parlons-en. Alors je vous rassure quand même, en sortant de cette prédique, je ne vous aurais pas dit comment calculer à l'euro près votre contribution à l'œuvre du royaume de Dieu, et donc combien vous devez déposer dans la boîte qui est au fond, ni vous dire si vous devez garder de l'argent de côté, acheter telle ou telle voiture, tel ou tel produit, investir dans l'immobilier, ni même si vous devez faire un virement tous les mois, déposer du liquide toutes les semaines ou faire un chèque trimestriel. Ce qu'on donne, ça se passe entre Dieu et nous. Mais pas que, en fait, parce que notre générosité, ou pas, elle va avoir des implications sur les gens qui nous entourent aussi. En tant qu'enfant de Dieu, on sait que, ça a été rappelé, hein, ce matin plusieurs fois, on sait que tout ce qui nous vient, tout ce que nous avons nous vient de Dieu, selon son bon vouloir. Et on sait aussi du coup qu'en conséquence de ce qu'il nous donne, il nous demande d'être des bons gestionnaires de ses prêts, que ce soit notre temps, que ce soit nos capacités ou que ce soit notre argent. Alors, il existe quand même des principes bibliques généraux en ce qui concerne la gestion de notre argent. Et le but aujourd'hui, c'est de répondre aux questions pourquoi donner, pour qui donner, et quelques éléments aussi sur quand même comment donner. Est-ce que c'est bon au niveau du son? J'ai l'impression qu'il y a des petites vagues. Non, c'est bon. Alors, voilà, au lieu de parler sur ce qui serait bien de faire ou de ne pas faire en piochant un peu partout, on va se baser sur un texte biblique, ce qui est mieux quand même, pour tirer des enseignements pour chacun d'entre nous. Et on va se baser sur deux chapitres qui se trouvent en 2 Corinthiens, donc deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitres 8 et 9, et qui font office un peu de texte, on va dire, majeur sur le sujet de la générosité qu'on appelle aussi libéralité. Il y aura pas mal d'exemples ou d'allusions à des choses qui se passent dans notre église locale. Donc, si vous êtes de passage, voilà, prenez pas forcément tout pour vous. Mais les principes généraux aussi. Donc, dans un premier temps, dans le chapitre 8, l'apôtre va poser le décor en décrivant trois exemples, et chacun de ces exemples est associé à un ou des principes pratiques. Et pour ça, je vous propose qu'on commence à lire. Si vous utilisez les Bibles qui sont dans les présentoirs des bancs, c'est à la page 759. On ne va pas lire le texte en entier, on va faire morceau par morceau. Et on va commencer donc 2 Corinthiens 8, des versets 1 à 6. Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite à parachever chez vous aussi ce geste de générosité, comme il l'avait d'ailleurs commencé. Alors, pour le contexte, Paul et ses compagnons sont en train de récolter des dons pour les chrétiens de l'église de Jérusalem. Les chrétiens de Jérusalem sont dans le besoin. Paul et ses compagnons sont actuellement en Macédoine. Alors, j'aime bien les cartes. Donc, la Macédoine, c'est la Macédoine actuelle, plus un morceau de la Grèce, le nord de la Grèce, de l'Albanie et de la Bulgarie. Donc, les Macédoniens ont participé à cette collecte et c'est une grâce que Dieu leur a faite, nous dit le verset 1. En effet, ce n'était pas gagné. Les chrétiens de Macédoine subissent de grandes épreuves, certainement à cause de leur foi,
Et les Macédoniens, de manière générale, ne sont pas hyper appréciés par les gens, les habitants de l'Achaïe, donc c'est le sud de la Grèce, là, où se trouve Corinthe. Ils les considèrent un peu comme une race inférieure. Et le texte nous apprend aussi que ces chrétiens-là sont extrêmement pauvres. Alors on trouve un premier paradoxe apparent, hein. Ils sont dans la souffrance, dans l'épreuve, mais leur pauvreté profonde et leur joie débordante les conduisent à faire preuve d'une grande générosité. Comment est-ce que c'est possible? Le texte nous dit qu'ils ont donné aussi ce qu'ils pouvaient, et même au-delà. Et cela volontairement, en insistant même auprès de Paul et ses amis pour avoir la grâce ou la faveur de participer à cette œuvre. Comment? En général, quand on est dans la difficulté, et qui plus est la difficulté financière, on n'est pas dans la joie et on ne donne pas non plus de l'argent dont nous aurions nous-mêmes besoin. Un premier élément de réponse se trouve au verset 5. Ils se sont d'abord donnés au Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de donner de l'argent, hein, comme ils l'ont fait, ils avaient préalablement décidé dans leur cœur de s'offrir eux-mêmes comme des dons à Dieu. En gros, ils reconnaissent et ils disent à Dieu: on a compris qui tu es notre sauveur, tu es notre Seigneur, nous t'appartenons comme enfants et comme serviteurs, et donc tu peux disposer de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous avons. Leur facilité à donner nous paraît du coup un peu plus logique, mais pas forcément plus facile, ou évidente. Pour nous qui vivons plutôt dans l'aisance ou l'abondance, alors à différents niveaux, hein, bien entendu, voilà, juste un encouragement de prendre garde à ce que nos facilités de vie ne soient pas un frein à donner généreusement. Surtout dans un monde là, voilà, qui nous pousse par tous les moyens à nous concentrer sur nos propres besoins, sur nos propres désirs, nos loisirs, nos plaisirs. Premier exemple, l'exemple des Macédoniens. Deuxième exemple, l'exemple de Jésus. Et on va continuer la lecture des versets 7 à 9. De votre côté, vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle à tout point de vue et l'amour pour nous. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc Paul continue en précisant aux Corinthiens qu'ils sont forts dans plein de domaines de la foi, de la vie chrétienne. Vous avez tout en abondance, il dit. Donc il parle de la foi, il parle de la parole, c'est-à-dire de l'enseignement, de la connaissance, le discernement ou la compréhension de l'évangile, le zèle, l'amour pour les autres. Cela étant dit, il va maintenant les encourager à également exceller dans la générosité en réutilisant le terme d'acte de grâce. Ce n'est pas donné comme un ordre, hein, une obligation. Mais Paul dit en fait que ce sera une preuve de l'excellence de tout le reste, en particulier de l'amour pour les autres et du zèle. Et finalement, Paul y met la générosité sur le même plan que la foi. Je me suis perdu. Tic, tic, tic. Alors c'est où? Oui, sur le même plan que la foi, ou en tout cas nous exhorte à pratiquer la générosité au moins autant que de rechercher à mettre en pratique des valeurs dites plus spirituelles. Et la générosité, en fait, c'est totalement spirituel. Alors, on pourrait avoir tendance à séparer les choses et se dire que gérer de l'argent, c'est pas spirituel, c'est secondaire, c'est un mal nécessaire. Mais au contraire, je crois vraiment que c'est spirituel et que de bien gérer l'argent et que de l'utiliser à bon escient. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour nous aujourd'hui? En tant qu'assemblée, on a des forces, hein, on est peut-être même excellent dans certains domaines. Mais qu'en est-il de celui de la générosité, de l'accueil, de l'amour fraternel? On peut mettre d'autres choses. En tant qu'assemblée, en tant qu'individu aussi, est-ce qu'on a des domaines dans lesquels on pourrait progresser? Je crois en tout cas que c'est ce à quoi Dieu nous appelle, que tout chrétien progresse en toutes choses, tout le temps, jusqu'à atteindre l'excellence. Où il est dit ailleurs, hein, dans Éphésiens, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et cela par Christ, hein, non par moi, mais par Christ en moi, on vient de le chanter. Jésus, donc justement, Paul va le prendre comme exemple ultime de générosité.
Les Corinthiens sont parfaitement au courant de la grâce que Dieu leur a et nous a offerte par et en Jésus-Christ. Pour nous, il s'est fait pauvre alors que riche, afin que par sa pauvreté nous soyons riches, nous dit le verset 9. En quoi est-ce que Jésus s'est fait pauvre ? Ça a été prié aussi. Il est fils de Dieu, tout a été créé par lui et pour lui. Qui peut imaginer une personne importante, plus importante ou riche que Jésus ? Cependant, de sa naissance à sa mort, on ne peut pas vraiment dire que Jésus ait mené une vie vraiment bling-bling, dormant dehors, se déplaçant à pied et mourant humilié comme un brigand sur une croix à 33 ans. Je vous renvoie tout ça à Philippiens 2, versets 6 à 11. Comment le fait que Christ devienne pauvre nous rend-il riche ? Si Dieu ne s'était pas fait homme en Christ, il nous aurait été impossible de retrouver la connexion perdue avec lui, à cause du péché. Mais par la mort et la résurrection de Christ, d'orphelin, nous sommes passés au statut d'enfant, de perdu à retrouvé, de destiné à la mort éternelle à assurer de la vie éternelle. Paul ne parle pas ici d'enrichissement en argent. Il ne s'agit pas de penser que si on donne beaucoup, alors on recevra forcément beaucoup. Mais il parle plutôt d'enrichissement spirituel. Et d'autre part, si on a bien réalisé que Christ nous a fait cet immense cadeau, le don de sa vie, on ne peut répondre que par le don de nous-mêmes. Et je me pose la question, est-ce qu'on se donne vraiment pleinement ? Est-ce qu'on exprime notre connaissance à Dieu par une générosité à la hauteur du cadeau qu'il nous a fait ? Ensuite, on va passer, alors pas forcément sur un exemple, mais sur des trois principes. Donc Paul, il va parler maintenant de la mise en pratique d'une collecte décidée et les moyens qui sont mis en œuvre pour faire cette collecte. Et on continue notre lecture des versets 10 à 15. C'est un avis que je donne à ce sujet et c'est ce qui vous convient, puisque dès l'année dernière, vous avez été les premiers non seulement à faire une collecte, mais aussi à la vouloir. Menez-la donc maintenant à bien, afin que sa réalisation corresponde, en fonction de vos moyens, à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce que l'on a, et non de ce que l'on n'a pas. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité. Conformément à ce qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu ne manquait de rien. Sur l'aspect volonté, il ne s'agit pas seulement d'évoquer l'idée d'une collecte ou d'en commencer une, mais bien d'aller au bout selon la volonté ou le désir initial. Et l'aboutissement, normalement, doit correspondre à ce désir initial. Si je dis, il faut vraiment que je donne au CEL, donc le CEL, c'est le service d'entraide et de liaison, c'est une association chrétienne qui œuvre pour le développement des pays plus pauvres. Voilà, je veux vraiment que j'investisse pour parrainer cet enfant, etc. Ou encore, il faut que je participe à cette collecte pour Porte Ouverte, autre association chrétienne qui œuvre pour aider les chrétiens persécutés dans le monde entier. Voilà, c'est quelque chose que je trouve hyper important. Je vois vraiment les fruits que ça peut donner, l'impact que ça peut avoir. C'est vraiment un super projet, mais qu'au final, je donne rien ou c'est trop tard, c'est passé, mince. Du coup, on peut peut-être voir un lien entre ce que nous récoltons parfois et l'empressement que nous y avons mis au départ. Il ne faut pas s'étonner de récolter peu quand les motivations ne sont pas là. Et je suis aussi reconnaissant pour toutes les fois où on a pu le vivre dans cette église. On a fait des appels et ça a été bon et un parfum de bonne odeur pour le Seigneur. Autre aspect, autre point, celui qui concerne les moyens et la sagesse nécessaire pour l'utilisation de ces moyens. Au début du texte, Paul nous dit que les Macédoniens ont donné au-delà de leurs moyens. Pourtant, au verset 13, il nous dit de ne pas nous exposer à la détresse pour en soulager d'autres. Il est donc a priori possible de donner au-delà de ses moyens sans pour autant se mettre dans le rouge durablement. On peut en effet faire des efforts circonstanciés et ponctuels en donnant au-delà de ce qu'on pourrait donner régulièrement. Mais, principe, il faut rester demeurer sage dans notre gestion et ne pas nous retrouver dans une situation dans laquelle nous nous retrouverions dans le dénuement et on devrait demander de l'aide aux autres, par manque de sagesse.
Sachons donner abondamment quand nous sommes dans l'abondance. C'est une grâce que Dieu nous fait de pouvoir aider et participer, mais soyons aussi réfléchis dans notre gestion. Il y a aussi certainement l'idée derrière là, un peu du contentement. Autre remarque connexe sur la gestion sage des finances, qui apparaît notamment dans une parabole dans Luc 12, 13-21, donc c'est la parabole du riche insensé qui amasse dans ses greniers et qui meurt un peu trop tôt. Donc il s'agit d'être sage et équilibré sur ce que nous pouvons garder comme stock de sécurité ou prévoyance pour faire face à des imprévus ou anticiper des besoins futurs. C'est bon de le faire, mais il faut voir aussi qu'est-ce qui irait au-delà d'un stock de sécurité ou de la prévoyance. On n'est pas censé thésauriser, c'est-à-dire amasser pour amasser, nous faire des trésors sur la terre. Je pense que c'est un point à veiller, à réfléchir régulièrement individuellement et aussi en tant qu'assemblée. Et attention, je ne suis pas en train d'opposer la raison, la sagesse, la réflexion et la foi, ou sagesse et acte de foi. Un acte de foi, ce n'est pas un acte irraisonné, c'est pas, on lance les dés et puis on y va, pris sur un coup de tête. C'est un acte qui fait confiance en la bonté de Dieu et qui s'appuie sur la prière et la conviction que donne la foi en Dieu. Paul va énoncer un autre principe, celui de l'égalité. Donc en gros, Paul nous explique ce qui est équitable en prenant exemple sur le peuple d'Israël dans le désert. Lors de l'Exode, donc la sortie d'Égypte du peuple d'Israël, Dieu a pourvu miraculeusement à la subsistance de tout le peuple d'Israël en faisant pleuvoir ce qu'on appelle la manne. Donc c'était des petits grains qui étaient ramassables tous les matins et avec lesquels on faisait des gâteaux ou des pains. Tout le monde ramassait de la nourriture en fonction de ses besoins et au final, personne ne manquait. Ça, c'est pour dire que c'est Dieu qui donnait directement la manne dans ce cas-là. Mais c'est également lui qui nous donne directement et qui nous donne la possibilité d'être généreux et de rendre tout simplement ce qui nous a été donné. Les circonstances peuvent évoluer au cours du temps. Aujourd'hui, c'est peut-être moi qui aide d'autres et puis demain, c'est peut-être ces personnes que j'aurai aidées qui vont m'aider si je suis dans la difficulté. Dernier exemple, on ne va pas lire tout le texte, mais vous l'avez sous les yeux, l'exemple des serviteurs qui sont en charge de la collecte. Donc le reste de ce chapitre 8 parle majoritairement des serviteurs qui sont en charge de la collecte, et notamment de son transfert aussi vers Corinthe, de porter cette collecte. Donc il s'agit ici de Tite, donc c'est un compagnon de Paul, et de deux autres frères qui ne sont pas nommés. Le texte nous mentionne que Tite, il a du zèle, il fait cela de plein gré. Un autre frère fait l'objet d'éloges quant à son annonce de l'Évangile. Il a été choisi pour être compagnon de Paul. Et le troisième est également zélé, on voit ça au verset 22. Les raisons du choix de plusieurs personnes pour cette mission, et qui plus est de gens de confiance, sont données au verset 20 et 21. Nous voulons en effet éviter qu'on nous critique au sujet de la forte somme dont nous avons la charge, car nous recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Voilà, le sujet de la gestion des finances, c'est un sujet important. Voilà, ça date un peu 2017, mais ça a très certainement coûté la présidence de la République à qui vous savez en 2017. Paul, du coup, là, il s'en charge pas lui-même dans ce cas-là, et il préfère, en tout cas, il délègue à trois frères irréprochables devant Dieu cette collecte et son transport pour être irréprochable devant Dieu, mais aussi devant les hommes, pour qu'il n'y ait aucune remise en cause, que cette mission est à la gloire de Dieu et qu'elle ne soit pas entachée d'aucune fraude que ce soit. Voilà, j'en profite aussi pour remercier les membres du CA et puis spécifiquement Scott et Pierre qui administrent les finances de l'Église et en lesquels on a vraiment une totale confiance. Voilà, tout est mis vraiment en place pour que ce soit transparent dans le respect des lois. Ça demande également beaucoup de temps, donc un grand merci particulier à vous deux. On continue. On va passer aux fruits. On passe au chapitre 9, versets 1 à 5. Il est superflu que je vous écrive au sujet de ce service en faveur des saints. Je connais en effet votre bonne volonté. Je m'en montre fier pour vous auprès des Macédoniens en affirmant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et votre zèle a stimulé la plupart d'entre eux. J'envoie cependant les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas démenti sur ce point et que vous soyez prêts comme je l'ai affirmé. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette belle assurance tourne à notre honte, pour ne pas dire à la vôtre.
J'ai donc jugé nécessaire d'encourager les frères à se rendre chez vous avant moi pour s'occuper de l'offrande que vous aviez promise. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. » Paul commence le chapitre 9 en inversant la notion d'exemplarité. Alors, c'était les Macédoniens qui étaient les exemples des Corinthiens, en disant que voilà, si les Macédoniens ont donné, c'est parce que les Corinthiens les ont motivés. En effet, voir les autres donner généreusement doit être pour nous une grande motivation à faire plus d'efforts. C'est aussi un moyen d'encourager les Corinthiens, dans ce cas-là, à donner plus. Plus on donne, plus ça encourage les autres à donner. C'est un cercle qui est plutôt vertueux. Est-ce qu'on est connu comme chrétien ou comme assemblée comme étant un exemple de générosité ? D'autres sont-ils fiers de nous, comme Paul pouvait l'être des Corinthiens ou des Macédoniens ? Paul va ensuite redire qu'il envoie les frères pour s'assurer que la collecte est bien en cours et qu'elle est bien au niveau de ce que les Corinthiens avaient promis de faire l'année précédente. Il va même jusqu'à dire qu'il serait honteux que ça ne soit pas le cas. On ressent donc une sorte de petite pression quand même mise par l'apôtre, non pas pour dire « donner » avec la schlag, mais pour dire « donner » comme vous l'avez dit en fait. Ainsi, elle sera prête comme une vraie bénédiction et non comme une manifestation de votre soif de posséder. Cela veut-il dire que de s'engager à donner et ne finalement pas le faire ou partiellement est un signe de mauvaise motivation ou mauvaise compréhension de l'acte de donner pour le Seigneur ? Est-ce que ça voudrait dire qu'on affectionne plus notre argent que Dieu dans ce cas-là ? Là, on parle vraiment de la motivation à donner. Avoir de l'argent, c'est pas mal, hein, mais éprouver de la satisfaction à posséder des richesses pour son propre contentement, ça l'est certainement. Et attention, hein, cet avertissement ne s'adresse pas que à ceux qu'on peut considérer comme riches, hein. Il y a toujours plus riche que soi, donc ça nous concerne tous, quel que soit notre niveau de revenu. D'ailleurs, on peut peut-être réfléchir de manière plus générale à quels peuvent être nos freins à être généreux. La peur de manquer, l'amour de l'argent, posséder des choses visibles, qui seraient peut-être une sorte d'aboutissement ou de preuve de réussite. Quel rapport est-ce qu'on a avec nos finances ? Est-ce que c'est un sujet qui est présent dans notre esprit plus que de raison ? À qui est-ce qu'on donne et qui c'est qui donne ? Dans le cas de notre texte, il s'agit expressément, donc les bénéficiaires, des saints qui sont à Jérusalem, donc des chrétiens de l'église de Jérusalem. Sans vouloir dire qu'il ne faut donner qu'exclusivement à des chrétiens, je crois qu'il y a quand même une notion de donner prioritairement aux enfants de Dieu. À ceux qui sont juste à côté de nous, ou ceux qui sont loin, question. Pas de règle, mais je crois là encore que nous avons à regarder ce qui se passe juste à côté de nous, au moins au même niveau que ce qui se passe au loin. Difficile pour moi de concevoir de voir un frère ou une sœur dans le besoin ici et de rien faire et d'envoyer quelque chose pour quelqu'un à l'autre bout du monde. Ça me paraîtrait un peu bizarre. De même pour l'aide à la mission, est-ce qu'on doit se préoccuper des missionnaires au loin ou est-ce que se dire que donner un juste salaire aux temps pleins locaux, voilà. Ces deux questions, j'ai envie de répondre, les deux, mon capitaine. Plus on donnera, plus on aura de la joie à pouvoir participer à l'œuvre de Dieu, auprès et au loin aussi. Pas d'ordre de ma part non plus, hein, à l'image de Paul, je suis très mal passé pour ça. Mais je crois qu'il faut qu'on s'occupe prioritairement de ce qui est près, mais sans négliger ou oublier ce qui est au loin. Je trouverais aussi particulier un positionnement de ne rien donner à son église locale et de tout donner à la mission ou à l'action sociale. J'espère ne choquer personne et je suis vraiment ouvert à la discussion là-dessus. Paul mentionne qu'il a dû travailler parfois en fabriquant, alors pas dans ce texte, hein, il le dit, mais dans d'autres textes, il fabriquait des tentes. Donc des fois, il travaillait pour subvenir à ses besoins. Donc outre le fait qu'il a montré l'importance du travail et de subvenir à ses propres besoins, je me pose la question, peut-être qu'il aurait été mieux pour l'annonce de l'évangile qu'il n'ait pas à travailler, il aurait eu plus de temps pour annoncer l'évangile. Et donc ceux qui ont bénéficié de son enseignement auraient peut-être pu prendre en charge le temps qu'il a mis à fabriquer ses tentes. Le Seigneur a voulu que ça se passe comme ça, je ne suis pas Dieu, et ça s'est passé comme ça et c'est bon.
Selon les besoins, il est aussi sage, je crois, d'évaluer si nous ne devrions pas parfois rééquilibrer ou réallouer nos dons. Dans quelques temps, si Dieu le veut, nous aurons un temps plein et demi, deux. On sera clairement sur du proche de nous, là. Et il nous faudra peut-être revoir en tant qu'assemblée et individuellement la répartition de nos dons. Pareil, si un besoin spécifique apparaît, que ce soit pour des personnes ou pour des œuvres, vraiment qu'on soit à l'écoute des besoins. Dans l'Ancien Testament, on voit des exemples de collectes ponctuelles, exceptionnelles, pour la construction du tabernacle, par exemple, du temple, plus tard, ou pour sa reconstruction. Voilà, donc des ajustements qui sont faits. Alors là, c'est un peu plus que des ajustements pour construire un temple, mais voilà, des ajustements qui sont faits. Comme on peut le faire déjà, et qu'on aura aussi très certainement l'occasion de le faire encore, hein, bientôt Sola Gracia aura besoin de fonds pour les travaux du tiers-lieu, par exemple. Alors, il y aura besoin de financement, il y aura besoin de temps, de capacité aussi, de frères et sœurs qui sont doués pour faire des petites choses. À la question « qui donne ?» tout le monde. Les Macédoniens, dans la souffrance et la pauvreté, l'ont fait, donc pourquoi pas moi? Dans la mesure où j'ai bien saisi la grâce que Dieu m'a faite. J'aime aussi le fait que les enfants commencent dès leur plus jeune âge à donner. Ils sont un peu partis, mais il y en a quelques-uns encore. Donc les enfants, je vous encourage, mais si vous avez des petites pièces rouges, de temps en temps, à les donner au fond. Entre les adultes, je crois aussi qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un salaire fixe pour commencer à donner. Du coup, entre les enfants et les adultes qui ont un salaire, il y a les ados, les jeunes adultes et les étudiants. Et je veux m'adresser à vous aussi en vous invitant à considérer la possibilité d'être généreux selon vos capacités et selon les principes qu'on est en train de voir ce matin. Paul va maintenant nous donner des indications sur comment donner. Avec quelle attitude? Non pas combien, finalement, ce n'est pas trop la question, même si quand on parle d'argent, finalement, on parle quand même souvent de sommes. On continue notre lecture. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Paul va utiliser une comparaison pour illustrer et donner le principe de comment donner. Donc, la comparaison elle est faite a priori entre deux fermiers qui sèment. Il y en a un qui sème beaucoup, l'autre il sème un peu moins. Résultat, le fermier qui a beaucoup semé récolte beaucoup et celui qui a peu semé récolte peu. Rien d'extraordinaire a priori. Mais je pense que Paul n'utiliserait pas forcément quelque chose d'aussi simple s'il n'y avait pas une vraie réalité spirituelle derrière. Alors, est-ce qu'il veut dire que si on donne 500 euros, on va en récupérer 3000 ou que si on donne 1 euro, on va en récupérer 2? Ce serait déjà pas mal, ce serait mieux que le rendement du livret A. Si on prenait réellement ce principe comme fonctionnement comme ça, plus personne ne travaillerait, on donnerait de l'argent, on en recevrait, ça serait magnifique. Nous ne donnons pas de l'argent pour en recevoir. On le donne à Dieu pour que par l'intermédiaire de ce don, d'autres en profitent. Et être riche, ce n'est pas non plus un signe qu'on est un super chrétien, qu'on est béni, malgré ce que peuvent en dire certains, avec l'évangile, un pseudo-évangile dit de prospérité. Qu'est-ce qu'on pourrait dire alors de millions de chrétiens authentiques qui vivent dans le dénuement? On ne donne pas pour soi, pour être bien vu, on donne avant tout à Dieu, pour Dieu et pour les autres. Alors j'aborde très rapidement, sans donner vraiment de réponse, le sujet de la dîme. Alors la dîme, c'est dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, je fais très rapide, mais chacun devait donner 10% pour le Seigneur de ses revenus, de ses récoltes, etc. Donc Paul, il répond pas à cette question, et moi non plus. En tout cas, plus mention de la dîme dans le Nouveau Testament, mais de là à penser ou à dire qu'on devrait donner moins, est-ce que notre liberté en Christ nous invite à donner plus ou à donner moins? Je laisse la question en suspens pour chacun. Paul nous amène surtout à réfléchir à notre façon de donner. Est-ce que c'est à contre-cœur? Est-ce que c'est avec tristesse? Est-ce que c'est du superflu? Est-ce que c'est de l'essentiel? On se rappelle l'histoire de la veuve et des riches. Les enfants connaissent bien cette histoire. Luc 21,4, Jésus dit « Car c'est de leur superflu que tout cela ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. »
ce que je donne avec regret, et puis du coup je me dis que finalement le mois prochain, bah, je donnerai un peu moins. Si c'est avec cette attitude, je ne pense pas que notre offrande sera agréée par Dieu, et même je dis le contraire. En tout cas, le texte nous dit, voilà, si on donne avec joie, sans tristesse, ni contrainte, et comme on l'a résolu dans notre cœur, à ce moment-là, de manière certaine, Dieu approuve, car il aime celui qui donne avec joie. Est-ce qu'on aura donné la dîme, plus que la dîme, moins que la dîme? On peut quand même réfléchir, cependant, à chacun, au montant qu'on donne. Ça nous donnera peut-être un état des lieux de nos priorités. Et je m'englobe personnellement, bien sûr, dans cette réflexion. Et si on n'est pas forcément appelé à réfléchir intensément à chaque dépense qu'on fait, on devrait au moins se poser régulièrement quand même pour faire le point. Voilà, est-ce que ce choix c'est le bon? Est-ce que j'utilise bien mon argent? Est-ce que c'est vraiment indispensable? Est-ce que je pourrais l'utiliser pour autre chose? Donc attention, hein, là aussi, pas de mauvaise interprétation sur ce que je viens de dire. Je veux vraiment être loin du légalisme. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre comme des ascètes, hein, manger le strict minimum est mal, nous habiller avec de la fripe et vivre dans un taudis sans prendre soin de sa santé. Des dépenses, des fois, peuvent paraître futiles, mais au final, être hyper spirituelles. Voilà. Acheter un cadeau pour ses enfants, acheter un bijou à sa femme, acheter une camionnette qui pourra servir pour le service de l'église, acheter un nouvel instrument de musique qui fera un son plus beau le dimanche matin, une plus grande maison pour exercer plus amplement son don d'hospitalité, des tables pour l'école du dimanche, tout ce qu'on veut. Laissons-nous guider par l'esprit pour nos dépenses et aussi pour nos dons en argent pour l'œuvre de Christ. Sur la mention qui est dit là, comme il l'a résolu dans son cœur, que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, ça doit nous faire penser à la réflexion concernant aussi notre don, à la sagesse nécessaire, hein, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Il s'agit également d'une décision de couple, pour ceux qui sont mariés, à prendre en accord. Je nous invite aussi à considérer une réévaluation régulière de ce qu'on peut donner. Il nous paraît normal d'être augmenté par notre patron, on attend ça, ou par l'État. Alors, l'État est un peu moins généreux, ça arrive moins souvent. Mais en tout cas, on s'attend à être augmenté de manière régulière, donc on peut aussi réévaluer ça. En tout cas, pour nous tous, c'est vraiment une gestion, une décision à prendre à l'écoute de l'Esprit, devant le Seigneur et dans la prière. On continue. Bientôt fini. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Sachons quand même que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins et qu'il peut nous donner en abondance pour que nous-mêmes, on puisse réaliser des œuvres bonnes par sa grâce. Il a distribué ses bienfaits, c'est lui qui le fait. Il a donné aux pauvres, c'est lui qui le fait. Sa justice subsiste à toujours. Alors, quelles sont ces œuvres bonnes dont parle l'apôtre? Quels sont les fruits de la générosité? Premièrement, les bénédictions matérielles dont vont bénéficier les receveurs. Hein, ça paraît bête, mais quand on donne à quelqu'un, ben, la personne en face est contente. On fait rarement des collectes hein, sans qu'il y ait un besoin matériel derrière, et on sait combien ils sont nombreux. Du coup, ben, voilà, je vous encourage aussi à donner à l'AFP grâce pour aider ceux qui peuvent être le plus dans le besoin parmi nous. Plus on donnera, plus on sera capable d'élargir notre œuvre sociale et de bienfaisance. Je remercie et j'encourage aussi tous ceux qui donnent déjà au SEL, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, pour des parrainages d'enfants ou des projets ponctuels d'autres associations. Ces dons servent à donner à manger, vêtir, loger des enfants dans le besoin, diffuser la parole de Dieu aux plus jeunes ou aux moins jeunes. Mais pas seulement. Et je crois que c'est aussi ce à quoi veut en venir Paul. Dieu va fournir la semence pour augmenter notre capacité à donner, mais aussi à augmenter nos fruits de justice. Les dons font également naître chez les receveurs ou bénéficiaires des prières de reconnaissance envers Dieu. En effet, c'est Dieu qui est remercié à travers nos dons et ce qu'il procure à ceux qui les reçoivent. Il célèbre la gloire de Dieu à cause
de l'obéissance à l'évangile, quand on donne. Cette obéissance, elle se retrouve donc au commencement de toute œuvre bonne. Elle amène à la générosité qui est également vécue et vue comme de la solidarité par les bénéficiaires et aussi envers tous, comme dit le texte. Une collecte ponctuelle ou un soutien régulier démontre aussi notre solidarité et notre unité en Christ, que nous soyons du côté de ceux qui reçoivent ou du côté de ceux qui donnent, sachant que voilà, les rôles peuvent être à un moment inversés. Cela était d'autant vrai à l'époque, dans le cadre de cette lettre, il s'agissait d'une collecte de la part d'églises constituées de païens, donc extérieures au peuple historique hébreu, et qui donnait pour des chrétiens une église à Jérusalem constituée majoritairement de chrétiens d'origine juive. Cet argent permettait de démontrer l'unité des chrétiens et de l'évangile. C'est donc aussi un témoignage pour l'extérieur. De plus, les bénéficiaires prient en faveur de leurs donateurs, voyant la preuve de l'amour témoigné au travers des dons. Les liens fraternels se tissent, les réseaux de prières s'intensifient, les preuves de la véracité de l'évangile se traduisent par des actes. Tout cela étant rendu possible par la grâce surabondante que Dieu nous donne. J'insiste là-dessus, mais c'est important. Cette grâce divine se retrouve à l'origine de tout acte de générosité. Et Paul y termine avec cette prière, que Dieu soit remercié pour son don incomparable. On est redevable à Dieu pour tout ce que nous possédons matériellement et spirituellement. Ne soyons donc pas ingrats envers lui. Le fait de donner de l'argent est aussi un moyen d'adoration et de reconnaissance envers Dieu. Ne voyons pas ça juste comme un geste mécanique à donner, tout comme une prière peut être mécanique d'ailleurs, mais comme un véritable geste d'adoration et de reconnaissance qui fait plaisir à Dieu, qui rend gloire à Dieu, aussi bien qu'une prière véritable. Voilà, petite application très rapide avant de conclure. Pour ceux qui font des virements, notamment, vous pouvez choisir de les faire en automatique à date ou en manuel. Ce qui permet peut-être, en manuel, de le faire plus intentionnellement et de réaliser cette réévaluation régulière dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est une simple piste de réflexion que je me fais à moi-même, parce que c'est Olivia qui le fait, et moi je ne le fais pas forcément. Je suis très reconnaissant dans mes prières pour ce que Dieu me donne, mais voilà, c'est un challenge pour moi aussi d'aller sur le PC et de faire cet acte par moi-même. Pas de règle. Pour conclure, voilà, j'espère que j'ai été équilibré et de ne pas avoir donné des règles. Et je suis vraiment ouvert à la discussion sur tel ou tel point si vous souhaitez en discuter après le culte. Le sujet de l'argent ne doit pas être tabou, mais il peut être sensible. Je crois néanmoins qu'on devrait être capable, entre nous, d'en parler, de nous encourager, de nous stimuler, d'en débattre sainement et franchement dans le cadre de relations fraternelles profondes, vraies, franches et sans jugement. La collecte va passer tout à l'heure, normalement, mais pas de pression. Donc ma prédication ne sera pas évaluée sur le montant qui sera au fond aujourd'hui ni dans les prochaines semaines, même si je crois que l'enseignement, de manière globale, porte des fruits. Donc, voilà. Une bonne compréhension de la grâce de Dieu est un préalable à des actes de générosité pure et bien motivés qui seront agréés et qui porteront des fruits. Dieu a offert son Fils, Jésus-Christ, gratuitement, pour que nous, pécheurs, on puisse être pardonnés de nos péchés et rendus justes devant lui. Une fois saisi, compris et vécu, on voit à quel point on est redevable de ce cadeau inestimable. Donner de ce que nous possédons n'est pas un acte légaliste pour être bien vu de Dieu ou des hommes, mais bien une expression de notre gratitude envers notre Sauveur et Seigneur. Comme par le temps qu'on peut lui donner ou la mise en œuvre de nos dons, nos capacités. Ces dons, qu'ils soient d'argent, de capacité, de temps, ça sera aussi des bienfaits pour qui les recevra, et Dieu en sera encore plus glorifié par la reconnaissance justement de ces gens qui auront reçu et leurs prières. Saisissons bien l'impact que nos dons peuvent avoir sur les autres, auprès, près de chez nous, et au loin, plus loin. Et je termine. Donnons-nous nous-mêmes d'abord à Christ et offrons-lui ce que nous avons avec sagesse, avec joie, sans tristesse, ni contrainte, ni regret, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen.